te laisser emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors vas-y. Tu veux que je te frappe? Je veux que tu essaies. Aïe! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit! Encore! Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça? Silence. Sors de là! Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es! Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es! Atreus, sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages. Tellement meilleur que nous, tellement plus brillant. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Ah! Chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin. Tu aurais dû écouter. Je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Ah!
ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de lit ici? Sensible, on dirait. Qui est-ce que tu caches? Tu es vieux et lent. Tu n'aurais pas dû venir en garde. Bien. On remet ça? Tu parles trop. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. Vu de tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance. Nous aurions pu éviter tout ça. Pas tes... Tu ne peux pas gagner! Je ne sens rien! Mais toi... Tu sens tout, et pourtant, tu continues à chercher. Je suis pas comme mon frère. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non! Finissons-en. Yeah!
J'aurais fini par sentir quelque chose, mais c'est impossible. Qui était-ce? Il savait qui j'étais. Est-ce qu'il connaissait mon passé? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? Faye, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. Moi non plus. Je ne sais pas comment y arriver sans toi. Mais on ne peut pas rester là. Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Tu n'as rien? Je vais bien. Viens. Prends tes affaires. Nous partons. Je croyais que j'étais pas prêt. Tu ne l'es pas. Mais nous n'avons plus le choix. Que j'ai tort. Oui, père. Wow. Jotunheim. On a réussi. Magnifique, n'est-ce pas? Je me souviens d'un jour où... Mon frère, attention! Je t'ai manqué. Cours, Atreus, traverse le pont! Je suis un dieu, moi aussi! Je peux t'aider! Lâche-le! Baldur, laisse-les partir. Prends-moi leur place. Je ferai tout ça. Voilà. Pendant tout ce temps, j'ai grand besoin de toi. Mais tu ne sers à rien. Finalement, c'est le garçon, le cerveau, hein? Sale petit merdeur. Ne reste pas là, Atreus. Oui, vas-y, l'avorton, fuis. Laisse papa faire tout le sale boulot à ta place. Lâche-moi! Calme-toi, tu n'es pas encore prêt. Je suis prêt! Atreus.
moi qui pensais que ma famille était complètement tarée. Oh, oh, ton père a raison, petit. Tu es loin d'être prêt. Dis, tu veux bien tenir ça pour moi, s'il te plaît? Merci. Atreus! Tu ne sais donc pas t'avouer vaincu! Quand le pont s'ouvrira, toute la colère d'Asgard s'abattra sur toi. C'est terminé. Vraiment? Soit. Maintenant, tu vas m'écouter sans dire un mot. Je suis ton père, et toi, mon garçon, tu n'es pas toi-même. Tu t'emportes trop facilement, tu es imprudent, désobéissant et incontrôlable. Je ne tolérerai pas ça.
Tu vas faire honneur à ta mère et revenir sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard. Cette discussion n'est pas terminée. Nous sommes là par ta faute, Atreus. Ne l'oublie pas. Ça va. Je crois que je commence à être habituée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est à cause de nous? Non. C'est autre chose. Le géant mort. Pourquoi le serpent nous laisserait là? Regarde! Certains gardent des distances. Le serpent monde. Que s'est-il passé? On espérait que tu le saurais. Tu es loin de chez toi. Je cherche mon fils. Tous les deux. Vous m'avez aidé à y voir plus clair. Alors tu ne sais pas où il est? Non. Mais la forêt et les champs soufflent son nom. Je sais qu'il est ici, à Midgard. Depuis quand tu l'as pas vu? Depuis fort longtemps. Bien avant ta naissance. Pourquoi tu restes aussi loin de moi? Qui est-il? Il s'est passé quelque chose. Là! Je me doutais bien que... blesser le grand serpent... vous ferez sortir de là. Est-ce que vous avez la moindre idée, de ce que vous m'avez fait faire? Mon fils. Mère. Je suis là. Ne t'enfuis pas. Je n'irai nulle part, mais... Je sais que tu m'en veux encore. Je sais que ce que tu ressens n'a pas changé, mais laisse-moi te... Ce que je ressens... Ce que je ressens... J'ai passé les 100 derniers hivers à rêver de ce moment. J'ai répété tout ce que j'ai toujours voulu te dire, chaque mot, pour te faire comprendre exactement ce que tu m'avais volé. Mais maintenant, je me rends compte que je n'ai pas besoin que tu comprennes quoi que ce soit. En fait, je n'ai pas besoin de toi. Non, écarte-toi, Kratos, ça ne te concerne pas. La voie que tu as choisie, celle de la vengeance... elle ne t'apportera pas la paix. Crois-moi. Toi... je m'occuperai de toi plus tard. La famille d'abord. Tu recommences. Arrêtez de vous battre.
te conseille de tourner la tête, petit. Ça va pas être beau à voir. Je te laisserai pas faire. Non, Atreus. Très bien. Non. Non, Atreus. Tu saignes. Allez, respire, je t'en prie. C'est pas mon sang. Qu'est-ce qui se passe? Je sens la douleur. Je sens absolument tout. Non ! Il est vulnérable maintenant. Pas simplement blessé, le sort est rompu. On peut le tuer. J'en suis certain. Tout me revient à présent. Maintenant, ça lui revient. Elle contrôle cette chose? Ne t'en mêle pas! Je peux le raisonner! Non, femme! Tu ne peux pas! Il a l'intention de te tuer! Tu ne peux pas m'arrêter! Personne ne le peut! Où est-il? Je me moque qu'il me tue. Je le protégerai. Je ne le laisserai pas mourir! Très touchant. Ce sera bientôt fini! Là! Arrête! Tout de suite! Yeah.
métal. Atreus! Atreus! Je suis là-haut! Je vais bien! Et moi, je vais incroyablement bien! Je ne me suis jamais senti aussi vivant! Arrêtez! Atreus! Ne t'approche pas de mon fils! Tu n'as pas à faire ça! Arrête-le! Pitié! Il y a déjà eu trop de souffrance! Silence! Jamais senti aussi vivant. Quelle ironie, n'est-ce pas? Quoi? Pourquoi? Tu ne m'aimes pas? Mon enfant, faites-moi!
Vaincu, Bert. C'est plus une menace. Je t'interdis de t'en prendre à nous. Et à elle. Je n'ai pas besoin de ta protection. J'essayais juste de te protéger. Je voulais... J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais tu es libre à présent. Tu as ce que tu voulais. Essaie de me pardonner et nous pourrons construire une nouvelle vie. Non. Parce que je ne te pardonnerai jamais. Tu dois encore payer pour la vie que tu m'as volée. J'ai déjà payé. J'ai déjà payé. Mais si c'est la seule chose qui te rend heureux, si me voir morte peut t'apporter la paix, je ne t'arrêterai pas. Je sais.
Attends! Non, père! Je t'aime. Pourquoi? Ça ne te concerne pas. T'aurais pu reprendre ta route. Le cycle s'achève ici. Nous devons être meilleurs que ça. Choisis sa voix. Je déchaînerai tous les tourments, tous les supplices imaginables contre toi. J'exposerai ton corps sans vie aux quatre coins des neuf royaumes et je jetterai ton âme en pâture aux créatures infernales. Je t'en fais la promesse. Il t'a sauvé la vie. Il m'a pris ce que j'avais de plus cher. Tu n'es qu'un animal. Transmets ta cruauté et ta rage, tu ne changeras jamais. Alors tu ne sais rien de moi. J'en sais bien assez. Mais lui... Atreus. Écoute bien. Je viens d'une ville appelée Sparte. J'ai fait un pacte avec un dieu et j'y ai laissé mon âme. J'ai tué des gens qu'il méritait. Et d'autres qu'il ne méritait pas. J'ai tué mon père. C'était bien ton père, elle. C'est ça, être un dieu. Ça finit toujours comme ça. Les fils tuent leur mère. Et leur père. Non. Nous serons les dieux que nous choisirons d'être. Pas les dieux qui ont été. Tu n'as pas à devenir celui que j'étais. Nous devons être meilleurs. Bon, j'imagine que ça fait de nous les méchants. Oui, à ses yeux. Mais c'est un choix qu'elle n'aurait jamais pu faire. Nous devrions finir ce voyage tant que j'en ai la force.